Donc, comme tu l'auras compris au cours de ce chapitre de chimie organique, eh bien, la structure en trois dimensions des molécules, c'est quelque chose de très important. Donc, on utilise souvent bah, les triangles pleins et les triangles en pointillés pour représenter les différentes directions des groupements. Seulement, pour certaines molécules, en fait, la représentation peut commencer à devenir assez complexe. Donc, là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une projection dans un plan qui nous permet de représenter les molécules en trois dimensions. C'est ce qu'on appelle la projection de Fischer. Alors, la projection de Fischer, qu'est-ce que c'est C'est une représentation plane qui nous permet de traduire l'organisation en trois dimensions d'une molécule organique. Elle est souvent utilisée, comme je te le dis ici, en chimie organique et en biochimie pour l'étude des sucres. Donc, quelles sont les règles Les règles sont les liaisons chimiques sont représentées par des lignes, horizontales si elles sont situées au-dessus du plan, verticales si elles sont situées au-dessous du plan de projection. Et on place la chaîne carbonée principale sur la ligne verticale. Donc par exemple ici on a un exemple de carbone avec quatre groupements différents. Et bien on va le projeter dans le plan et ça va nous donner pour les liaisons qui sont sous le plan cet axe vertical et les liaisons qui sont au-dessus de, du plan cet axe horizontal XZ. Donc la bonne façon de procéder, c'est d'imaginer par exemple ton carbone avec 4 substituants en 3 dimensions, de te dire quelles sont les liaisons qui viennent vers moi, quelles sont les liaisons qui vont à l'opposé, dans la direction opposée de l'autre côté du plan. Les liaisons qui viennent vers toi, à ce moment-là, vont être représentées à l'horizontale, comme les groupements C et D pour cet observateur. Et les groupements qui partent de l'autre côté du plan, le groupement A et B pour cet observateur, eh bien on va les mettre sur l'axe vertical en représentant les liaisons par des traits simples. Alors bien sûr tout ça c'est la théorie, mais nous on va faire des petits exercices pour essayer de bien assimiler le concept, le concept et comprendre comment on se sert de cette projection de Fischer. Donc on va commencer avec l'exemple de l'acide lactique qu'on a ici. Alors comme je l'ai marqué ici, on remarque qu'on a un centre de chiralité, donc au maximum 2 puissance 1, donc 2 stéréoisomères. Il n'y a pas d'axe de symétrie ici, donc on a effectivement deux stéréoisomères, et ces deux stéréoisomères vont être des énantiomères. Donc j'en ai représenté un ici, voilà notre carbone asymétrique. Donc ici j'ai un groupement OH, un groupement CH3, un hydrogène derrière le plan, et un groupement carboxyle ici. Donc première priorité c'est évidemment l'oxygène, le groupement numéro 1 est ici, ensuite on a un carbone et un carbone ici. Au deuxième rang, j'ai trois hydrogènes sur ce carbone, et là j'ai double liaison O et un groupement OH. Donc c'est ce groupement qui est prioritaire d'après les règles CIP, CAN, Ingold et PRELOG. Ensuite, c'est le groupement méthyle, et en dernier, bien sûr, l'hydrogène, qui ça tombe bien et de l'autre côté du plan. Donc si je regarde le sens de rotation pour parcourir du plus prioritaire au moins prioritaire, 1, 2, 3, 4, c'est vers la gauche. Donc j'ai dessiné l'énantiomère de type. R. Alors, pour pouvoir imaginer ce que va donner la représentation de Fischer de cette molécule, eh bien on va passer un observateur au-dessus, comme ça, voilà. Je dessine son magnifique œil. Et donc cet observateur va regarder cette belle molécule dans cette direction. Et donc nous, ce qu'on veut voir, c'est qu'est-ce que ça donne si on regarde d'en haut par rapport à un plan qui, lui, est à peu près comme ça. Donc je vais tout redessiner à côté. Ici, c'est notre carbone asymétrique. Je le marque avec sa petite étoile. Donc, vu d'en haut, qu'est-ce qu'on voit On voit un groupement OH qui pointe vers l'observateur et également un hydrogène qui pointe vers l'observateur. Je vais les représenter de manière classique avec le triangle. Hydrogène. Le groupement méthyle, lui, pointe à l'opposé de cet observateur. Donc ici, ça va être des traits en pointillés, CH3. Et enfin, le groupement COOH, ici, et eh bien, il pointe aussi à l'opposé de l'observateur. Donc, toujours des traits en pointillés, carbone, double liaison oxygène et groupement OH. Donc là, il nous manque plus grand-chose pour passer à une représentation de Fischer. Donc, tout simplement, on va utiliser les conventions... On a listé au-dessus, c'est-à-dire que on va représenter les liaisons par des traits. Donc H OH Voilà et en haut, on va représenter COOH et en bas CH3. Donc voilà, félicitations, on a fait notre première représentation de Fischer. Alors pourquoi Fischer Eh bien, Émile Fischer, c'est en fait un lauréat du prix Nobel de chimie en l'année 1902, qui a beaucoup travaillé sur les hydrates de carbone et les purines. Donc on a ici l'acide lactique de type R en orange, et ce que j'ai dessiné à droite, c'est l'acide lactique de type S. Donc simplement, en faisant l'image miroir par rapport à ce trait bleu que j'ai dessiné, on obtient l'acide lactique de type S. Donc cet acide de type S, c'est celui qu'on retrouve dans les cellules musculaires, en fait, après un effort intense. Pour ce qui est de l'acide lactique qu'on trouve dans le lait, c'est en fait un mélange racémique, donc 50% de R et 50% de S, qui provient de la fermentation bactérienne qui réduit le lactose, qui produit à partir du lactose un mélange racémique, donc comme je l'ai dit, 50% d'acide lactique de type R et 50% d'acide lactique de type S. Alors on va continuer avec un exemple d'hydrate de carbone. En voilà un ici, donc c'est un hydrate de carbone à 1 2, 3, 4, une chaîne à 4 carbones. Donc, combien de centres de chiralité On en a 1 ici, 1 ici, donc 2. Donc, on s'attend, a priori, à avoir 2 puissance n, c'est-à-dire ici, 2 au carré, soit 4 stéréoisomères, a priori. Donc, si je redessine cette molécule avec nos deux carbones asymétriques ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire la représentation de Fischer en ayant un observateur placé au dessus ici, donc regardez en quelque sorte dans cette direction sur la liaison simple pardon qui relie les deux centres de chiralité. Alors si on représente l'axe des carbones asymétriques dans le plan, on en a un ici et un ici. Donc le groupement OH qui allait vers le haut, on va le mettre sur le côté. Pareil pour l'hydrogène. Et l'aldéhyde CHO, ben lui, allait vers l'arrière, donc on va le dessiner comme ça, CHO. Enfin, sur le deuxième carbone asymétrique, on a le groupement OH et l'hydrogène toujours qui pointent vers le haut. Et donc le CH2OH qui pointe vers l'arrière. Donc voilà une représentation de notre molécule, de notre hydrate de carbone, vue du dessus. Donc un de nos quatre stéréoisomères se représente de la manière suivante en utilisant la projection de Fischer, donc HOH, CHO, le groupement aldéhyde en haut, HOH relié par une liaison, un très simple, et CH2O pour terminer en bas. Donc ça c'est la représentation de Fischer d'un des quatre stéréoisomères de cette molécule ici. Et alors on va voir que justement c'est cette projection de Fischer qui permet de tracer très facilement, de dessiner très facilement les quatre stéréoisomères pour ces hydrates de carbone. Donc si je redessine juste en dessous le même, la même projection de Fischer qu'on vient de faire, donc on a notre groupe CHO en haut. Ici on a un groupement OH et H à gauche. Premier centre d'asymétrie. Hop, ici, on croise le deuxième carbone asymétrique avec HOH, et en bout de chaîne, ici, on a notre CH2O. C'est d'ailleurs un CH2CH2OH, pardon. Donc, j'ai aussi oublié un H sur la projection de Fischer précédente, donc je le rajoute. Voilà. Donc, si on veut avoir l'énantiomère de cette molécule, ben, on va tracer son image miroir. Donc, je trace l'axe ici. On retrouve notre OH, H, OH. H, et enfin l'axe principal qui lui n'a pas changé chez CH2OH en bas et CHO aldéhyde en haut. Ensuite si je veux dessiner les deux autres stéréoisomères, c'est parti, je dessine le squelette dans la projection de Fisher. Pareil pour le quatrième et dernier stéréoisomère. Donc, je vais par exemple dessiner HO et H ici. H ici, OH ici, CH2 OH toujours en bas et CHO toujours en haut. Donc image miroir, j'obtiens ici l'hydrogène, ensuite le groupement OH ici OH ici, hydrogène en haut, CHO et en bas CH2 OH. Donc voilà les quatre stéréoisomères de cette molécule en représentation de Fischer. Alors, si je numérote ces stéréoisomères A, B, C, D, qu'est-ce qu'on peut dire ben, On peut dire que C et D sont des énantiomères. Pourquoi ben Parce que ces deux stéréoisomères, images l'un de l'autre dans un miroir, ces deux molécules A et B sont images l'une de l'autre dans un miroir, sont également deux énantiomères. Et donc, par exemple, si je regarde la molécule, le stéréoisomère A et le stéréoisomère C, eh Qu'est-ce qu'on peut dire Quelle est la relation qui les lie ben, Ces deux molécules, ces deux stéréoisomères sont des diastéréoisomères, donc deux stéréoisomères qui ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. Alors on peut s'amuser à prendre une des, un des quatre stéréoisomères, une des quatre molécules, et regarder en fait quelle est la configuration absolue de chaque centre asymétrique. Donc je redessine par exemple la molécule A, CH2OH. Donc, si je redessine cette fois en passant avec les triangles pour la 3 dimensions, donc un triangle plein, un groupe en OH qui va vers l'avant à droite, un triangle plein, ici vers l'arrière, donc le C qui est relié à un hydrogène et une double liaison oxygène, que je représente comme ça pour déterminer les, les règles de priorité sur les substituants, et également vers l'arrière, ici un autre carbone qui est relié à un hydrogène, un oxygène et un troisième carbone. Donc pour assigner les priorités, je regarde bien sûr les numéros atomiques. Donc l'oxygène l'emporte devant les autres ici en première liaison. Le groupement en priorité numéro 1 est donc le groupement OH. Ensuite en numéro 2, j'ai un hydrogène, un carbone et un carbone. Les carbones sont à égalité, je regarde qu'est-ce qui est lié au rang suivant au carbone. En bas on a un hydrogène, un carbone et un oxygène. En haut, on a un hydrogène et deux oxygènes. Donc bien évidemment, c'est le groupement aldéhyde du haut qui est prioritaire, puis le groupement en bas et enfin l'hydrogène qui est le numéro 4. Donc si on ignore l'hydrogène qui vient vers l'avant, eh bien, on va tourner en fait vers la gauche comme ça pour parcourir 1 2 3 dans le sens de la priorité décroissante. Donc on aurait envie de dire que ce carbone asymétrique est de type S. Seulement rappelle-toi, comme on l'a vu, pour pouvoir déterminer le type R ou S, il faut regarder le sens de rotation lorsque l'hydrogène ou lorsque le groupement le moins prioritaire est à l'arrière, à l'opposé de l'observateur. Ici il est à l'avant. Donc très simplement, on va prendre la configuration opposée puisque l'hydrogène pointe vers nous au lieu de pointer de l'autre côté. Ici on a l'impression, si on ignore l'hydrogène, qu'on a un carbone de type S. Donc avec certitude, on peut dire que le carbone est de type R, puisque l'hydrogène ne pointe pas vers l'arrière, ne pointe pas de l'autre côté. Donc si je renumérote les atomes, carbone 1, carbone 2, carbone 3, on a donc le carbone 2 qui est de type R, on vient de le démontrer. Si tu utilises en fait la même méthode exactement pour le le carbone asymétrique qui est en position 3. Et eh bien tu verras qu'on est aussi sur un carbone de type R. Donc cette molécule A, on a tout simplement un 2R 3R. Donc ça c'est pour la molécule de type A. Donc on pourrait faire exactement la même chose, déterminer configuration absolue des carbones asymétriques pour les autres stéréoisomères. On va pas le faire, je te laisse le faire si tu as envie de t'entraîner chez toi par exemple. Donc on va s'arrêter là en tout cas pour cette vidéo qui aborde la projection de Fischer avec ces quelques exemples d'hydrates de carbone.